Bonjour les amis, je suis ici encore avec le monstre de mots. Alors monstre de mots, pour quel son veux-tu manger aujourd'hui? Je veux manger le son E. Ok, le son E. Alors, pour réviser, le son E s'écrit E-U. E-U. Ok, alors quand on regarde les mots, on cherche un E et un U ensemble. On va entendre le son E. Aujourd'hui, la vidéo va peut-être être un peu plus longue parce que j'ai des nouveaux mots. Alors, les mots sont tous nouveaux. Alors, pour chaque mot, je vais expliquer qu'est-ce que le mot veut dire. Et comme ça, vous pratiquez des nouveaux petits mots et aussi des nouveaux mots avec le son E. Et Monsieur Simpson va nous aider encore aujourd'hui. Alors, le premier mot. Une queue. Une queue. Une queue, ça peut être une ligne de personne ou ça peut être comme le cœur d'un animal. So, une queue means two different things. It can be a lineup of people, une queue, or a tail of an animal, une queue. Est-ce que le mot queue a le son E? Oui. Oui. Eve n'a pas aimé. Eve just ran away. She didn't like the monster. Maintenant. Alors, maintenant, c'est comme dans ce moment. Maintenant. Now. Maintenant. Est-ce que le mot maintenant a le son E? Non. Non. De. De. Ce mot est facile. De. Est-ce que le mot de a le son E? Oui. Oui. Bleu. Je porte un t-shirt bleu. La couleur est bleue. Est-ce que bleu a le son E? Oui. Oui. Dans notre poème, au feu, un feu, a fire, un feu. Est-ce que le mot feu a le son E? Oui. Oui. Oh. Vert. Le mot vert, ça veut dire towards. Alors, je vais vers le nord. I'm going towards the north. Vert. Est-ce que le mot vert a le son E? Non. Non. Jeudi. Jeudi. Vous savez, jeudi, c'est un jour de la semaine. Thursday. Jeudi. Est-ce que le mot jeudi a le son E? Oui. Oui. Un pneu, c'est rond et noir, c'est sur ma voiture. Il y a quatre pneus sur ma voiture, tire. Un pneu. Est-ce que pneu a le son E? Oui. Oui. Des cheveux. Voici les cheveux. Des cheveux. Est-ce que le mot cheveux a le son E? Oui. Oui. Content. Content. Je suis content. Well, content. Happy. Content. Est-ce que le mot content a le son E? Non. Non. OK. Ici, contente, content, contente. Ces mots veulent dire la même chose. Content, happy, ok?
Pourquoi y a-t-il deux mots très similaires pour la même chose, content? Parce que le masculin et le féminin. Alors, je peux dire Monsieur Simpson est content. Madame Simpson est contente. Parce que je suis une femme et il est un homme. So this is the masculine and this is the feminine. They mean the same thing. You know that it's feminine because it has an E à la fin. Okay? Tu prononces un petit peu différent. Content. Tu n'entends pas le T à la fin de content. Content. Ici, contente. Le E, c'est un E assistant. Le E ici aide le T à côté de dire sa, son son. Contente. Okay? Contente pour une femme ou pour une fille. Content pour un homme ou pour un garçon. Les deux n'ont pas le son E. Petit. Est-ce que le mot petit a le son E? Non. Non. Et petit? Petit. Vous savez déjà petit. Ici, petite. Alors, même idée comme que content et contente. OK? Masculin, petit. Le T, silencieux. On ne dit pas. Petit comme un petit garçon. Petite avec un E. Le E aide le T à dire son son. Petite. Une petite fille. Okay? Les deux n'ont pas le son E. Comme. Est-ce que le mot comme a le son E? Non. Non. Et comme, ça veut dire like or as. Alors, je suis comme une fée. I'm like a fairy. Tu es jolie comme une fleur. You are pretty as a flower. Comme. OK. Ce mot est comment. OK. Il commence de la même façon. Comme et comment. Mais celui a un NT à la fin. Comment? Comment c'est how? Comment? Comment est-ce qu'on fait un travail? Comment? Est-ce que le mot comment a le son E? Non. Non. Aussi. Aussi. Alors, aussi, ça veut dire also. Alors, je dis une chose. Aussi, une nouvelle idée. Aussi. Okay. Est-ce que le mot aussi a le son E? Non. Non. Mais. Mais. Okay. Tu utilises le mot mais dans une phrase quand tu as une idée et tu as une autre idée qui est différente. Mais, ça veut dire but. Alors, je veux aller à l'école. Mais, je ne veux pas être malade. I want to go back to school. Mais, but, I do not want to get sick. Deux idées différentes. Mais. Est-ce que le mot mais a le son E? Non. Non. Un jeu. Un jeu. Alors, un jeu, tu joues à un jeu. Alors, peut-être tu joues à un jeu avec des dés. Peut-être tu joues à un jeu de soccer. Jeu. A game. Un jeu. Est-ce que le mot jeu a le son E? Oui. Oui. Voici. Voici. Voici le monstre de mots. Je pense que ce mot est très vision pour vous. Voici. Here is. Voici. Est-ce que le mot voici a le son E? Non. Non. Similaire à voici et voilà.
Voilà, Monsieur Simpson, derrière la caméra. Voilà, say there is. So, you're showing something that's a little bit further away. Voilà. Voilà. Est-ce que le mot voilà a le son E? No. No. Et dernier mot, près. Près, ça veut dire des choses qui sont proches, close, près. Alors, je suis près du monstre de deux mots. Près. Est-ce que le mot près a le son E? Non. Non. Oh non! C'est trop de mots avec le son E. J'ai mal à l'estomac. Est-ce que ça va mieux? Non! Il y a plus de mots! C'est mieux maintenant le monstre de mots? Oui, c'est mieux. OK. Au revoir, les amis. Continue à pratiquer les mots avec le son E. À la prochaine fois.